on est à Carcassonne, hein, sur l'Aude en deuxième catégorie. Et on va essayer de pêcher le barbeau, puisque c'est un poisson qui se pêche bien en hiver, quand toute la première catégorie est fermée et qu'on est un petit peu coincé parce qu'il fait froid et qu'on a quand même envie d'aller à la pêche. Et moi, je prends mon matériel de pêche à la truite, hein, classique, hein, et je viens sur les parties basses des deuxièmes catégories faire de la pêche urbaine, hein, parce que les maisons qui sont autour amènent toujours des postes sympathiques. On le voit là, il y a un moulin, un bief, de l'autre côté il y a des passerelles, il y a de tout, qui cassent un peu la lame d'eau, qui accélèrent le courant. Et à cette époque-ci, les poissons aiment bien se rassembler au pied de ces édifices. Donc on va essayer de les trouver. Et là, tiens, juste là au pied, en s'arrêtant, il y a quelques chevennes qui traînent. Et ce sera peut-être l'occasion d'une autre sortie. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le barbeau. On va essayer d'aller plus bas pour voir si on les trouve. Sur ces pêches urbaines, on a quand même de la chance, hein, parce qu'on a encore des milieux qui supportent la pression des villes et la pollution éventuellement, hein, qu'elle peut occasionner. On le voit un petit peu partout, il y a des déchets, mais c'est quand même pas gravissime, quoi. On a de la chance. Hein. Et on arrive à trouver une pêche de qualité. Alors moi, pour pêcher le barbeau, j'utilise la même canne que pour pêcher la truite, en fait. Hein. J'ai une 10 pieds 8, soit 3. J'ai un moulinet truite. Hein. Là, je vais pêcher en nymphe. Ça fait que j'utilise une soie parallèle en 0,55 et un bas de ligne dégressif très très fin. Comme le barbeau, quand même, c'est un poisson qui est solide. Hein. Je ne vais pas hésiter à monter une pointe de bas de ligne en 16 voire 18 centièmes. De ce côté, je serai vraiment en 18 parce qu'on est côté large du fleuve et il peut y avoir vraiment de très très gros poissons. Et après, en fouillant, si on en trouve du côté du petit bras, là je me mettrai en 16 parce que ils sont souvent moins gros. Moins gros, on entend par un gros barbeau. Un poisson qui peut aller entre 50 et 80 cm quand même. Donc 80 cm, 18 centièmes, c'est pas de trop. J'ai un bas de ligne qui est assez long quand même, hein, qui fait deux fois la longueur de la canne quasi. Alors j'utilise des nymphes assez classiques, hein, des nymphes de type pheasant tail, oreille de lièvre, mais assez poilu quand même, parce que le barbeau a ses petit barbillon qui lui permet de détecter les mouvements, et quand il touche les poils ou les plumes comme ça, ça lui plaît beaucoup. Mais j'utilise aussi des perdigones de temps en temps. Ça, c'est pour vraiment aller dans les fosses et leur faire trembloter devant le nez. Et sinon, après, j'ai des petites imitations d'œufs ou encore des imitations de vers. Que c'est une des bases de l'alimentation du barbeau, et ça, c'est quand même d'une super efficacité, ça aussi. On fait des stocks parce qu'on arrive à casser quand même quelques poissons. Le barbeau, c'est un poisson lourd. Il va se battre, il va mettre des grands coups de tête, et ensuite il va essayer de racler un caillou ou de rentrer dans des frondaisons ou de rentrer sous des ronces et d'aller faire gratter le fil vraiment sur tous les obstacles qu'il peut trouver. Ça fait qu'il ne faut pas hésiter à monter quand même pas mal de mouches, parce que sur une partie de pêche, on peut arriver à casser 4-5 fois sans problème. Hein. Parce que quand on attelle un poisson de 80 et qu'il y a des ronces par là, au premier départ, souvent, quand il est en pleine puissance, ça ne pardonne pas. C'est vraiment... Au tout départ, c'est le gros boulot à faire, c'est d'arriver à trouver la zone où ils arrivent à se concentrer. Parce qu'avec le froid, ils se regroupent. Et du coup, il me faut vraiment chercher, fouiller. Je vais aller voir ce courant là pour voir. Alors je vais faire le tour du courant pour pas leur marcher sur la figure s'il y en a. Une dérive de pêche du barbeau. C'est comme une dérive de pêche
de la truite ou de l'ombre, il faut bien racler le fond. Et comme on racle bien le fond, eh ben on attrape le fond. Ça fait partie du jeu de la pêche du barbeau, ça. C'est quand on commence à attraper les petites branches coincées au fond, c'est qu'on commence à bien le pêcher. Donc, ma dérive devait être pas mal. J'étais bien au bon endroit. Allez, je vais descendre un petit chouïa plus pour aller voir à la fin de l'amorti. Là, j'y suis pas mal. Là, c'est maintenant qu'il faudrait avoir une touche. Là, là c'est super bien. Là, je sens presque moi ma mouche rouler sous les cailloux. Et si un barbeau, avec ses barbillons, il va sentir le mouvement, là, tac. Allez, je vais faire quelques passages de plus. Allez. Ils sont pas là. Ça peut être frustrant parce que ils sont pas là maintenant, mais demain ils peuvent très bien être là. Donc il faut fouiller sans arrêt les postes pour être sûr quoi. Et dans ce grand courant là, ça m'étonnerait qu'ils soient là aujourd'hui avec le froid qu'il fait en plus. Les températures sont plus négatives parce que le soleil est sorti. Mais quand on est arrivé ce matin, croyez-moi, ça piquait au doigt. On va voir. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais bon, je cherche en aveugle depuis tout à l'heure les poissons en pêchant l'eau. Et je ne les capture pas. Donc je prends vraiment le temps maintenant. De chercher. J'ai mis les polarisantes et je vais essayer de trouver une zone où je vois un ou deux poissons, quitte à bartasser, tant pis, hein. Mais vraiment pour essayer d'optimiser ma journée de pêche, parce que on est en hiver, on n'a pas 6 heures de pêche, on a 2 heures, là on est au meilleur de la journée, ça va encore durer peut-être demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et après c'est fini. Un peu plus d'eau là, mais c'est pas encore là qu'ils seront positionnés. Ils sont là. Il y a vraiment une zone en dessous là où il y a des gros poissons et la zone là où il y a quelques petits poissons. Le plus compliqué maintenant, ça va être de pouvoir aller les intercepter, mais de ne pas les effrayer pour essayer d'en capturer plusieurs. Alors je vais faire le tour par sous la pile du pont, quitte à remonter dans la rivière. J'ai bien repéré l'endroit où ils étaient ici. Et je me positionnerai un peu en aval pour pouvoir les attaquer de la meilleure façon possible. Ce coup-ci, on croise les doigts. Il faut éviter les embûches. Hein. Et je vais aller faire le tour. Là, l'adrénaline monte. Parce que c'est le moment qu'on attend. Ça fait déjà 1h30 que je les cherche. Et là, l'adrénaline monte. Parce que je sais ce qui m'attend si j'en capture. Un gros combat, une belle mise à l'épuisette, hein, un grand sourire aux lèvres, hein, et je vais oublier le froid si j'en capture ça. Et je vous garantis à tous que forcément, quand on en capture, on oublie toutes les intempéries qu'on a eu le loisir de vivre pour y arriver. Allez, je vais rentrer là doucement. Ils sont là. J'avais une nymphe un peu classique. Du coup, je change. On va voir si ça va faire effet. Parce que même quand on les a trouvés,
Ça ne veut pas dire qu'on va les décider de suite. Le gros avantage là, c'est qu'en plus la zone est abritée du vent. Donc pour les dérives en nymphe, c'est quand même bien plus simple. Et là, je change pour une mouche orange fluo, avec laquelle j'ai régulièrement de bons résultats. On va voir si c'est le cas, on va vite le savoir. Même petit, il tire. Ça fait deux jours, hein. Hein? Hop, 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 hop. Là, je suis passé dedans. Hein. Je te dis pas, ils sonnent sur les mouches là comme la misère sur le pauvre. Hein. Putain! Là ils prennent, tu vois, ils aspirent même plus. Gros! Beau combat! Hein. Là, là c'est super beau là. Attention. Allez les copains, on y va. Ah. J'arrive pas à passer vraiment là où je veux. Voilà, là je passe où je veux. Là c'est encore mieux. Ouf, là ça peut y aller. Ah la ronde ça. Pendu. Voilà. Et là, ça cintre du carbone. Hein. Je vais me reculer. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Ah, il essaie d'aller sous une souche qu'il y a là-haut. Waouh, wow, c'est le plus beau de tous. Hein. Waouh, il vient. Hop, 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 qu'il est gros. Ah, mais c'est pas gagné. Waouh. Ah, il est super beau. Ah, je vais pas me dépêcher pour prendre les pulettes parce qu'il n'est pas encore rendu à l'épuisette. Là, peut-être maintenant là. Waouh! C'est une vache. Ouh. Waouh, ça c'est de la bête. Voilà, quand on les trouve, ça va quand même assez vite parce que c'est déjà le quatrième poisson, je pense. Hein. Ils sont concentrés, il y en a un banc là et ça joue la concurrence alimentaire. Dès que vous les trouvez à un endroit précis comme ça, dès que tu les trouves, ils peuvent même être agressifs les uns envers les autres. C'est la période de l'année, l'hiver, où ils ont le moins à manger. Ça fait qu'ils sont disponibles. Et comme moi je suis au bord de l'eau, ça me les rend disponibles. J'espère que ça vous aura donné envie de pêcher le barbeau en hiver. Allez, je vais le relâcher. Hop, il me passe entre les pattes. Il descend.
Ciao à tous. Et je vais encore y revenir un petit peu. Pas une chance ça. Tu prends encore quelques poissons, des petits barbeaux et tu rentres de la pêche, voilà. Le pont vieux, la cité de Carcassonne, le paysage il est terrible.